bien le bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Les kikinelles et kikinettes, c'est votre nouveau nom ça hein? Bah ouais, c'est Phil qui a adopté ça depuis qu'il fait des petites vidéos la semaine. Voilà. Ouais. Petite présentation de camping-car. Petit Florium Baxter. Voilà, tout petit, lié à la française, tout nickel. Hein? Ouais, il est mignon comme tout. Ouais. Mmh. Allez, il c'est est parti. Très cosy. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va dire là-dessus? Je commence par le porteur, un nouveau porteur Fiat. Bah, vas-y, allez, c'est parti. Le nouveau porteur. Hein? Pas de souci. Donc, les amis, nouveau porteur Fiat. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les grands nouveaux porteurs Fiat? Il n'y a pas grand-chose, à part le volant. Le volant style automobile, avec les commandes au volant. Régulateur de vitesse, voilà, et puis toutes les commandes clavier là, hein. Commande du poste également, hein. Voilà. Donc, volant style automobile, un pommeau de vitesse qui est. Ouh là là, ils ont fait un truc gros là, c'est gros hein, chez Fiat, bon bref. Voilà, c'est juste le pommeau qui change un petit peu. Vous avez toujours le loquet là, hein, pour passer la marche arrière. Et puis, le design des aérations d'air sur le côté qui sont différentes. Autrement, c'est tout pareil. Tout pareil. Clim, celui-ci est équipé du vide-poche au milieu. Là, c'est exactement pareil. Vous avez une autre boîte à gants. Comme c'était avant, la boîte réfrigérée, là, la petite boîte réfrigérée, il y en a beaucoup qui ne savent pas hein, que quand vous mettez la clim, c'est réfrigéré là-dedans. Donc voilà, ça, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Il y a toujours, c'est toujours pareil. Ils ont changé un petit peu ça. Voilà, là il y a une espèce de poignée, il y a un petit truc là. Voilà, la poignée, ils ont changé ça. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont changé. Hein, les haut-parleurs, voilà, le design du plastique des portes. Autrement, c'est exactement la même chose. Ah ouais, ils ont changé ça aussi. Ouais. Bon, ça vaut. Hein, on va être franc. Hein, ils ont augmenté le tarif, mais. Ah puis les compteurs. Alors les compteurs, quand vous êtes comme ça, qu'il n'est pas en route, vous voyez rien. C'est un rétro-éclairage. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a de nouveau sur le nouveau porteur Fiat. Celui-ci est équipé d'un. Il est sur un 140 chevaux multijet. Voilà. Et puis maintenant. Alors, les sièges, beaux sièges, hein, on est habitué, fleurette, florium, beaux sièges, 6 mm, sympa, siège tournant. Et puis, bah à toi maintenant. Non, mais là, je fais de la bronzette. Ah ouais, elle fait de la bronzette. Oh, je suis bien, le soleil, le printemps, c'est super. Alors, on continue. Alors, on continue avec ce joli petit Florium Baxter. Alors, c'est un lit à la française, à gauche. Avec un grand frigo qui se trouve là. Alors le lit française, bien sûr, au-dessus il y a des placards avec des petites lampes qui sont sympas aussi, des petites lampes là-bas. Avec un placard ici, une petite penderie, c'est cool. Là il y a un grand frigo. Ouais, c'est un frigo tête forte, je sais pas combien de litres, hein, mais voilà, avec partie congèle. Tout à fait. Avec un petit placard dessous. Petit placard à chaussures, ça. Ah, bah, bien sûr. Hein? Et par contre, j'ai trouvé sympa la petite salle de bain. Parce que la douche, elle est au fond, là-bas. Ah, jolie. Elle est... Il y a une jolie porte, ça me plaît bien. Et elle a l'air très grande. Tiens, je te laisse aller voir.
Ouais. Ah ouais, j'ai regardé, elle est grande. Alors là, le WC, le petit bac. Hein. Petite douche. Avec mitigeur noir. C'est sympa, hein. C'est bien fini. Hein. Porte-serviette au-dessus. Revêtement sérigraphié là. Voilà. Un petit étendage là. Porte-serviette. Porte-serviette. Mmh. Et puis là. Alors là, petit placard. Il y a un petit placard qui est déjà pas mal grand. J'aime bien, c'est que le miroir est entouré de bois. C'est sympa. Entouré de bois. Ouais, avec le petit lavabo, les placards partout. C'est le top. Et alors, quand tu vas au WC là, qu'est-ce que ça donne ça? Ouais, ça va, il y a de la place. Ouais. Si tu le mets dans ce sens-là, c'est bon, hein. Ouais. Ah ouais, si, voilà. Ça va. Ouais. Ça va, je te laisse. Lanterneau. Ouais, lanterneau au-dessus du WC, c'est bien pour lire. Ouais. Ouais, c'est bien pour évacuer les odeurs. Non, c'est une jolie petite salle de bain. Non, il est chouette. Mais... Il est chouette. C'est vrai qu'il est chouette. Alors là, on a deux plaques. Enfin, deux plaques. Une plaque avec deux gaz. Deux gaz. Deux gaz, ouais. Deux gaz. Elle a dit deux gaz. Ouais. C'est très bien. Ouais. On n'a pas besoin de plus. Avec l'évier. Il est grand, hein. Ouais, il est grand. Grand diamètre, hein. Ouais. De bien faire de la vaisselle avec il ça. Il n'est pas très haut, mais il est large. Il y a quand même pas à dire, hein, la qualité. Avec les petits robinets comme ça, c'est cool, garde-toi. Ah là, tu peux te laver les dents, et il se retourne. Ouais, c'est ça. Fais comme ça et te laver les dents. Non, mais n'importe quoi, ce mec. Il y a sur celui-ci, on a la haute. La haute. Ouais. Il est très bien équipé. Petit placard. Hop. Ah, tout monté sur vérin, comme d'habitude. Vérin, hein. Petit vérin hydraulique. Voilà, les fermetures, machin, c'est... Hein. Petit porte-épice. Ouais. Tout à fait. C'est... Ah, là, faut que tu ouvres, là. Ah, ben bah, voilà, c'est bien. Verrouillage des... Une sécurité. Ouais. Voilà. Avec la poubelle incorporée, c'est pas mal. Voilà, mais t'as pas la peine de pousser, ils reviennent à chaque fois que tu pousses, toi. Regarde. Ah, il est penché, voilà. Voilà. Et puis là, il y a encore un. Il y a encore un, là. Oui, un petit placard, là. Ah, ouais, génial. Génial. Alors là, il y a des prises, 12 volts, 220. Ça, j'aime bien, c'est alu-brossé, là. Ouais. Hein? Très joli. Store. Ouais, ok. Alors là, bien là. Avec la moustiquaire. Alors là, j'aime bien ce système de store là. Comme ça. Oui. Parce que c'est pas les stores plissés là et ils ont fait le bon système. Parce qu'avant on avait un truc là comme ça. Oui. Ah bien. Hein. Ouais, on avait, mais c'était pas. Bah, dans le rapido, on avait ça, nous. Ouais. Ah ouais, non, bien là. Ouais. Bien. Après, tout ce qui est pour les commandes chaudière. Ouais. C'est tout là, avec le tableau là pour, bah pour tout ce qui est l'eau, les batteries, voilà, digital bien sûr. Ouais. Le top. Non mais là t'as tout coupé là. Ouais, et c'était fait exprès. Non mais enlève l'eau. Et je coupe tout. Et enlève la lampe de dehors. J'ai tout enlevé. Ah, mais ça c'est la lampe de dedans. Hein. Oui. Ça, c'est la lampe extérieure, je la mets pas. Elle aime bien appuyer sur tous les boutons. Auxiliaire, tu peux mettre auxiliaire. Puis pas mettre le... ça, ça lui plaît d'appuyer sur tous les boutons. Elle appuie sur tous les boutons et puis... Voilà, faut enlever l'eau. Oui. Voilà. Oui, parce que la pompe, elle se met en route. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, bah, tu vois. C'est ça. Je sais pas si vous dites ça, hein. Bon, alors après, là, qu'est-ce qu'ils disent, là? Est-ce que ça se soulève, ça? Ah oui, ça se soulève, ça. Super. Oui, parce qu'on a accès à la soute. Ouais, mais là-dessous, tu bah, voilà, là, il y a un truc pour mettre les bouteilles de pinot, là. Ah, ouais. Quasi voilà. À pinot. Et ouais. Puis là-dessous... Mais il faut soulever quand même le sommier. Ouais, bah, faut soulever le sommier, ouais. Ouais. Et puis là, par contre, il y a un truc, là, c'est quoi, ça? C'est des coussins. Ça doit être pour faire le lit dinette. Pour le troisième lit, parce que c'est en fait c'est un 4 places carte grise, mais un 3 places
Couchage. Couchage. Okay. Ça veut dire que le quatrième, il va dormir dehors. Exactement. Exactement. Donc ou, en fait, ou sur l'autre. Ou ouais. Sur l'autre. En fait, ce qu'il y a là-dessous, là, c'est pour faire le lit dinette ici. Ouais. Il y aura un lit dinette qu'on peut faire. La table là, doit se baisser. Table, là, on n'a pas fait bouger la table. Tu n'as pas fait bouger la table. La table. La table. Ah bah si, c'est bon, elle est décrochée. Là. Tu peux la faire bouger. Ah, l'ouette voilà. Un peu raide, mais. Voilà. Hop. Ouais, elle se tourne dans tous les sens. Elle pivote. Bien, toi, pour jouer au Uno Pino. Génial. Génial. Non, mais il est petit, mais il est très bien fait. Et combien il fait la longueur? Ah. Alors là. Elle a mal appris sa leçon, elle a lu l'étiquette, mais... Non, mais à mon avis, c'est à 7 mètres, il ne veut pas plus de 7 mètres. 7 mètres? Ouais. Je dirais même 6,50, moi. Bah ouais. Bon, on vous dira ça, on vous mettra en description le truc, mais... Non, il suffit d'aller regarder sur le panneau, hein, ouais. Je vais tout de suite. Ouais, elle va aller regarder. J'y vais de ce pas. Petite liseuse, là, avec USB. Petite pochette 6 mm. Pour mettre les bouquins. Là, bah, c'est qualité fleurette. Hein. On va pas se le cacher. Petit design, là. Voilà. Même le plafond, c'est chouette. C'est un revêtement souple. C'est chouette. C'est bien fait, bien fini. Là, on va pas... Hein, on va pas se mentir, comme dirait l'autre. On va pas se mentir, comme dirait certains. Là, c'est tout prééquipé télé. Tout est monté avec des vérins, hein, comme je vous ai déjà dit. Non, non, beau petit truc. Alors c'est pas marqué. Ah. Les gags, il va falloir qu'on demande à Geoffrey. Ouais. Non, mais ouais, de toute façon, ça doit être un... Comme je vois là, ça doit être un 6,50. Parce que... De toute façon, c'est à 60 LG, donc ouais. En général, c'est 6 ouais, quelque chose. Ouais. Ou alors même un 6 mètres, hein. Ça se trouve, c'est un 6 mètres. Ouais, c'est possible. Ah, bah là, il y a encore un placard à chaussures, là, non? Il y a quoi là-dedans? Ah, bah là, il y a un découvre. Petit... Ah, bah là, c'est la cuve d'eau grise, je crois. Ouais, si je dis une connerie, vous me le direz. Ah, on est vraiment des débutants, hein. On déconne, hein. Ah ouais, et les grands vendeurs de camping-cars, ils ont pas de soucis à se faire. Et là, elle n'arrive pas à remettre la trappe, hein. Voilà, ça y est. C'est bon. Et le petit placard, là, hein, qu'est-ce qu'il a dedans? Ah ouais, ouais, un placard, un petit... Ouais. Ah, voilà, il y a de quoi mettre des chaussures, hein. Ah ouais, là-bas, ouais, là. Ouais, super. C'est profond, tout ça, là. Oh ouais, ouais, ouais. Il y a la tablette. La tablette. Ouais. Ça, tablette. C'est bien, la tablette. Super, petite ouais. Tablette. Impec. Ouais. Voilà. Génial. Alors, bon. Par contre, maintenant, pour l'enlever, je sais, parce que moi, je me suis fait avoir tout à l'heure. Alors, on va la laisser faire. Hein, on va la laisser faire, parce que moi, je suis resté un moment à regarder comment fallait. Oh, regarde. C'est là, t'appuies. Non, non, t'appuies là-dessus et tu plies des deux côtés. Oh, mais tu es assez, toi ? Bah, ouais, faut pas faire attention pour les essais, loin. D'accord. Hein ? Ouais. Bon les amis, voilà pour on vous a montré l'extérieur. Alors naturellement, hein, c'est un lien à la française, vous n'avez pas de grande soupe, tout ça, mais pour deux personnes qui veulent pas s'encombrer avec un grand camping-car, il est étroit, tout. Ouais, et puis il est très éclairé, très clair. Ouais. C'est bien, c'est ça. Bah c'est qualité fleurette, hein. Il y a des spots de partout. Hein. On va vous montrer quand même. Les spots, là, ils ont pas lisé sur les spots. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. On revient sur la cuisine, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là, il y en a un là. Non, j'ai pas de spot moi, en ce moment. Voilà, il y a des petits spots liseuses avec le USB. Ouais, il est super bien équipé. Hein. Le revêtement est joli. Beau bois. Voilà. Voilà pour ce fleurette Florium. Enfin, celui-là, c'est un fleurette. Non, c'est un Florium. C'est un Florium Baxter. Florium Baxter. Parce que et chez Fleurette, c'est le migrateur. Le migrateur. Migration. Ah, là, j'ai bien appris ma leçon. Par contre, voilà. Je ne peux pas dire d'autre chose que si je les connais pas, si je le connais pas. Exactement. Tu dis un prix, là, parce qu'à chaque fois, il dit le prix. Il y en a qui disent le prix. Mais oui. Arrête de toujours... Après, et... S'il vous plaît, vous n'avez pas dit le prix dans la vidéo. Alors. Alors, le prix. Je m'en souviens plus.
Ben non, c'est 65 915 exactement. Ah. Ça te va là? Ça me va. Bon, ben alors. Ça me va. Ça me va. Bon, ben. Voilà pour une petite présentation de. De petit camping-car. De petit camping-car, sympa. Voilà, ouais. Alors bah, si vous voulez plus de renseignements, vous venez, vous téléphonez chez Isaacar Loisirs. Il est là, il vous attend. Il est joli, il est beau. Il est beau, il est joli. Allez, la bise, à plus, à bientôt. Bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. N'oubliez pas le pouce, l'abonnement, le commentaire. Et activez cette saloperie de cloche. Ouais, et n'oubliez pas, sentez bonheur, contactez le mentor. Ciao, ciao. Donc en fait, on a de plus de renseignements. Hein. Ah oui, j'étais voir Geoffrey. Il fait 6 mètres. Il fait 6 voilà, mètres le ça. Baxter là. 6 mètres et. Et 2,19 de large. C'est, en fait, c'est comme un fourgon. Voilà. C'est la même gabarit qu'un fourgon. Exactement. Voilà. Sauf que c'est un camping-car. Sauf que c'est un camping-car. Vous avez une cellule qui est, je vous rappelle, tout en fibre, avec le système Florium, Florette, qui est approuvé, éprouvé. Voilà pour les dernières les infos. Les news.